En ce moment, il y a des gens qui se meurent. En ce moment, on tue froidement les Congolais. Ce sont les tripes d'une mère qui parle. J'enfante, j'élève, j'éduque. Éduquer un enfant, c'est éduquer toute une population. Alors je vous en supplie, laissez vos intérêts. Laissez vos intérêts, Moïse. Sassou, c'est d'abord un franc-maçon. Vous savez qu'il a écrit un livre, Le Manguier, la souris et puis quoi? Le fleuve. Dans lequel il dit clairement que moi, Sassou, j'ai été initié à l'âge de 10 ans. Initié à quoi? À la démocratie? À la sorcellerie? Fait quoi? Cette émission n'a que traité des affaires criminelles. Pourquoi nous n'arrivons pas à déboulonner comme a dit mon frère? Chacun veut préserver ses intérêts. Mais nous avons d'abord les intérêts du Congo à préserver. Les intérêts du peuple congolais à préserver. En ce moment, il y a des gens qui se meurent. En ce moment, on tue froidement les Congolais. Ce sont les tripes d'une mère qui parle. J'enfante, j'élève, j'éduque. Éduquer un enfant, c'est éduquer toute une population. Alors, je vous en supplie, laissez vos intérêts. Laissez vos intérêts égoïstes. Abandonnez vos intérêts égoïstes. La France-Afrique, c'est quoi? Sassou, c'est d'abord un franc-maçon. Vous savez qu'il a écrit un livre, Le Manguier, la souris et puis quoi? Le fleuve. Dans lequel il dit clairement que moi, Sassou, j'ai été initié à l'âge de 10 ans. Initié à quoi? À la démocratie? À la sorcellerie? Herod Mekamona. À force de chercher, on finit par les trouver. Et quand j'ai trouvé, il faut s'y porter. Sorcellerie, je vous en supplie. Il y a deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. Ceux qui veulent, je ne dis pas que l'aspect physique ne compte pas. C'est ce que nous voyons. Hein, c'est l'autre côté de l'iceberg. Mais tout ce qui est en dessous, s'il vous plaît, c'est plus important. C'est plus important que ce que vous allez dire là. Parce que hier, ce que j'ai assisté à quoi? Un désordre, ça suffit le désordre. Maintenant, nous voulons construire, nous voulons déboulonner un système. Et ce système, il faudrait que ça soit connu. Donc sur le plan spirituel, je vous dis sur le plan spirituel, Sassou est dans la franc-maçonnerie, non seulement dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, dans toutes sortes de sectes. Il faudrait aussi qu'on prenne en considération cet aspect. Et c'est pourquoi je m'en vais dire ceci. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous ces esprits méchants, sur tous ces esprits de franc-maçonnerie, sur tous ces esprits de rébellion, sur tous ces... Sassou a injecté quoi? Pourquoi il y a la rébellion parmi nous? Pourquoi il y a la division parmi merci, nous madame. Il nous a injecté et à partir d'aujourd'hui, nous mettons fin vous à cette rébellion-là. S'il vous plaît, mon frère, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on vous voit là. Demain, vous allez encore être avec Sassou. Ça suffit. Je dis, ça suffit. Il n'arrive aux affaires que par coup d'État. Mais face à ça, qu'est-ce que nous faisons?